potes, j'ai eu cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on se retrouve au ski à la station Rizoul. Oula, ça est tombé. Aujourd'hui, vous l'avez vu, je suis avec ma snow scoot que je vous ai présenté la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est ici que ça se passe. C'est ma première session après 2 ans sans aller au ski, tout simplement parce que vous savez très bien, il y a eu la crise du Covid qui est d'ailleurs toujours présente. Aujourd'hui, le but, reprendre les bases tranquillou. J'ai un gros seum parce que le snowpark n'est pas ouvert. En fait, il était ouvert. Et d'ailleurs, j'ai cette petite gros tricks dessus, ça se passe dans la vidéo. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a des gros tricks. Mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vais dans une station où il y a un snowpark ouvert. C'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Petit like, petit commentaire, la cloche, tout ce qu'il faut. On est reparti directement sur la piste pour prendre les bases. Bon les gars, on s'est arrêté là. J'ai vu un petit spot qui est interdit, vous verrez, c'est là en fait. Le moyen de passer là, en dessous ça, c'est gapé là en fait. Genre en faisant un truc ou quoi. Je lève le truc et c'est parfait. Pas de cardio là. Oh, t'es un peu sketchy non? Je refais un petit passage avec un trix. Et bah les gars, c'était bien ghetto. Mais imagine si là, j'avais le speed derrière et que tu puisses faire ça là. Bim, saute là. Et hop, je retombe là. Ça aurait été une dinguerie. Bon, on va récupérer la snow scoot. Je drop là. Ma foi. Bon les gars, petit bilan de mes journées. On prend les bases tranquillou. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de jumps sur le bord de piste et tout. À part le truc que j'ai trouvé ce matin. J'ai vu quelques trucs que j'irai voir, je pense, là cet après-midi ou sinon bah, plus tard demain. Ça va, j'arrive à bombarder. J'ai mon patin avant d'ailleurs qui se desserre un peu tellement que ça bombarde. En tout cas, je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais je vais vite. Je trouve un petit spot où peut-être il y a moyen de kicker plus en faisant un peu un saut. J'espère qu'il y a moyen de faire un rotage, j'en sais rien. Bref, là on monte le plus haut possible. Et voilà, on continue tranquillou. Moi je vous fais des images, j'espère que vous kiffez. Et si vous n'êtes pas abonné, faites comme moi. Let's go. Les gars, je suis refait. On est monté plus haut. Et il n'y a pas le vrai snowpark qui est ouvert, mais il y a un petit snowpark. Regardez, il y a quand même des modules. Tac, tac, tac. Hop, ça fait le tour, il y a des petits sauts et tout. Donc bah let's go, on va dessus. Je suis refait. Les gars, premier module. Enfin, je suis refait. Je vais essayer de faire un trick. Manual, whip. Et bah slide, enfin slide normal quoi. Et on retourne, mais il y en a plein d'autres là, regardez. Je vais essayer de faire quelques tricks sur chaque module, on va s'arrêter à chaque module, je vais pas en faire plein parce que ça dépend des nombres d'essais que je fais. En fait, j'ai abandonné, j'ai refait ça le lendemain et vous allez voir, c'est pas plus fameux. Donc, on passe directement au spot numéro 2 de la journée numéro 1. Spot numéro 2, le rail jaune, un gros boudin. Ça aurait été en 30 normal, j'aurais dit bon, chill. Et là, je vous cache pas, j'ai un peu peur. Donc, on va essayer. Je sais pas comment le prendre, je vais le prendre de face. On va voir, hein. Allez, c'est parti. Oh, je suis en stress. J'ai peur. Première phase de la vie les gars, c'est plus difficile que ça en l'air. J'ai une protection au cas où si je fais un face palm dans la barre. Wouh! C'est pas le plus bel essai, il y a eu un petit qui a été lâché. On est en fin de journée, c'est pas grave, on va aller sur un jump. Et plus tard je repasserai là, j'essaierai d'autres trucs. On est sur le seul plus gros saut du snowpark, le vrai snowpark. Et là en fait il est fermé. Et là regardez, lui il s'en va là, il s'élance, hop. Ouais c'est tout flou, mais voilà il y a un petit saut ici là. Donc on va jeter dessus, je suis pas sûr que je puisse tirer un bac, on va voir. Je fais quelques tricks et de toute façon là il commence à faire fin de journée, on a plus trop de temps donc ce sera demain au pire.
C'est la fin de journée. Je commence à être fatigué. Et là, je suis tâté par le bac. La courbe, elle a un chouïa pas assez courbé. Mais en même temps, j'ai envie de l'essayer, tu vois. J'ai toutes les protèques. Ah, j'ai peur. Au pire, je fais un trail et on rentre. J'ai pas fait ça depuis au moins 3 ans. Voilà, j'en ai mis 2 dans ma vie, je crois. Et voilà, fin de session pour aujourd'hui, je pense. On se retrouve demain. Jour 2, les gars. On est venu plus tôt, il y a du soleil. Et même, ils ont ouvert les grosses bosses du snowpark en bas. Je vais aller les voir après. Et là, je vais juste réussir à monter parce que j'ai pas réussi. Je vous avais prévenu, les gars. Je préférais passer un autre trick, c'est voilà. C'était pas mieux jour 2. Mais par contre, il y a des grosses qui arrivent juste là, juste après. Et fou, muy caliente. Clip, oui, bah non, 50-50, blocage into faceboard. Let's go, on va sur le gros saut en bas. Les gars, voilà le saut en question. Là, ça commence à être un saut sympa. La réception, elle est là. Il y a un petit saut aussi, là, qui a l'air cool. On va tester, hein. On va tester et je vois si je me sens bien, je trix. À mon avis, et je voulais faire un bar whip trop basique. On va essayer un superman deck grab. Peut-être me tuer, c'est pas grave. Savoir que moi j'étais avec ma copine en vacances et bah forcément au bout d'un moment elle avait marre de filmer. Je posais ma caméra 3.6 et j'ai filmé les tricks, mais à chaque fois fallait remonter, donc je commençais à être fatigué et je pouvais pas lancer les tricks infinis. Donc on regarde ça et regardez bien ma réaction à la fin. On se rend pas forcément compte avec la caméra 3.6, mais c'était des grosses longueurs les sauts. Dites là sur les poches, je suis content de ouf. J'ai filmé avec la caméra 3.6, donc c'est drôle parce que je vous dis ça avant même d'avoir vu les clips, ça se trouve vous les verrez même pas. Mais j'ai réussi à mettre backflip sur la petite bosse, finger dupe first try, et j'ai enfin réussi le superman deck grab sur la grosse bosse. Ça va faire 7-8 mètres de long, franchement c'est grand. Deck, boom, catch en l'air, réception parfaite. Et là bah pause les gars, j'ai bien mérité. Ok les gars, je suis arrivé tout en haut de la station. Je suis à 2550 mètres, c'est magnifique, je vais vous montrer le panorama. Je suis bien content d'être monté jusqu'ici. Je vous annonce les gars, ça va être la dernière descente de ce petit séjour de reprise de Sauce Scoot. Je vais mettre la caméra 3.6 derrière et je vais juste bombarder jusqu'en bas. Ça va faire des virages de dingue, ça va faire du speed, ça va être trop bien. Regardez-moi ce panorama.
Bon voilà les frérots, fin de vidéo, je vous fais à l'arrache avec l'iPhone en caméra frontale, vraiment à l'arrache. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous n'étiez pas encore abonné, faites-le maintenant. Commentez ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'adore le rendu de la vidéo au ski. Les panoramas sont magnifiques. Et pour la peine, les gars, je vais retourner au ski avant qu'il y ait plus neige pour filmer des images avant la fin de l'hiver, tout simplement. Donc, restez présents sur les réseaux Instagram, TikTok, YouTube. J'attends vos abonnements pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Let's go, les gars. Ciao. Rendez-vous samedi prochain à midi. Et bon ride.